Bientôt commencé et on va suivre ça de près et on va suivre notamment la progression du champion en titre de la division 4. Oui, Hervé, ce sera l'une des équipes à suivre. On ne devient jamais champion par hasard. D'accord, le niveau de jeu ne va pas être le même. Mais cette formation m'a bien plu la saison passée, je dois l'avouer. Ah, je sais que vous l'attendiez, hein, cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. Voici les titulaires. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Attention, la frappe de Benzema peut-être. Oh, il ne s'est pas laissé surprendre le gardien. Corner, regardez Real Madrid. Le corner de Bale. Le plongeon du Goloris. Olivier Giroud. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Gareth Bale. Isco. Karim Benzema. Les joueurs du Real qui vont devoir se montrer sérieux hein, face à ce type d'adversaire. Ouais, Hervé, là, tous les pronostics le confirment. On devrait assister à un match serré. Donc je ne vais pas faire pronostic, ça m'évitera de me gourer comme d'habitude. L'occasion pour prendre les devants. Gareth Bale. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Ah, le buteur, il a laissé aucune chance. Hein, le gardien. Ça se demandait comment ils peuvent retrouver à cette distance avec le ballon. C'est quand même une grosse erreur de marquage. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Pogba. Kylian Mbappé. Le centre, Giroud pour le reprendre. Ballon boxé par le gardien. Il y a pas mal de monde pour le presser. On va suivre cette rencontre dans ce stade où l'ambiance est parfois volcanique. Hein. Oui, en même temps, c'est carrément un choix de l'architecte qui a voulu que son stade ressemble à un cratère. Ah oui, c'est ça. Ah ben c'est pour ça. En fait. Ah oui, c'est pour ça du coup. Modric. Raphaël Varane. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est le phénomène absolu. Hein. Bon, ses gris-gris peuvent parfois agacer. Il lui arrive de se compliquer la vie, mais bon, c'est un régal de le voir jouer quand même. Et puis, quelle vitesse, quelle puissance et surtout, quelle efficacité. Il est bien parti, ce Gareth Bale. Ah non, il ne réalisera pas le doublé sur cette action. Le gardien ne voulait pas s'incliner une seconde fois face à lui. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Giroud s'est libéré. Mbappé. Toni Kroos. Neymar. Le centre adressé vers Griezmann. Isco. Isco. Marcelo. Elle est peut-être une bonne occasion. Interception sur cette passe de Marcelo. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. Antoine Griezmann. Oh non ! Oh, quelle occasion manquée ! C'est l'égalisation là qu'ils viennent de rater d'un cheveu. Oh, c'est une sacrée occasion quand même, Hervé. Le match n'est pas terminé, mais là vraiment c'est nul. Hein. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Carvajal. Thomas Lemar. Antoine Griezmann. Le boulot à l'attaque avec ce ballon. Pour Griezmann, ce centre. Gareth Bale. Modric. Cristiano. Ah, je crois que l'attaque des Bleus aujourd'hui, elle est en panne. Kylian Mbappé, peut-être l'égalisation. Oh, la parade exceptionnelle du gardien.
sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, pour les supporters adverses, du coup. Isco, c'est un milieu créatif, comme on les aime en Espagne. Ah, le bon ballon de Benzema. Attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Allez, touche, pourquoi pas dangereuse pour le Real Madrid. Gareth Bale, Modric. Toni Kroos, Marcelo. Avantage pour le Real Madrid, ça joue. Sergio Ramos. Le Real Madrid qui s'approche du but. Allez, qui va reprendre ce ballon. Mbappé. Oui, il a pris le dessus, Kylian Mbappé. Oh, c'était dangereux ça, mais la défense est bien intervenue. Carvajal. Benzema. Real Madrid qui obtient un coup franc. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Griezmann, les 30 derniers mètres. Oh, la faute, il va y avoir un bon coup franc. Ouais, le gardien qui se saisit bien de ce ballon. Bale. Carvajal. Benzema. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Carvajal. Ça part entre les... Le dégagement du point du gardien. Ah, il va trouver Cristiano Ronaldo. La mi-temps. C'est reparti donc avec l'équipe de France qui va jouer ce premier ballon de la seconde période. Lionel Sidibé. Cristiano Ronaldo. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques de Cristiano Ronaldo. Elles sont tout simplement hallucinantes. Un gardien qui repousse du point. Antoine Griezmann. Kanté. Mendy. Ça part bien, action dangereuse. La frappe. Oh, l'égalisation. Oh, l'égalisation. Oh, on est un petit peu surpris. Ouais, parce qu'on peut le dire, c'est contre le cours du jeu. Hein. On va dire que c'est du réalisme, Hervé. Bon, c'est pas trop la joie pour eux hein, dans ce match pour l'instant, mais cette action était bien menée. Ça va mieux, on dirait. Ouais, ça va un peu mieux, ça fait du bien, c'est sûr. Mais enfin, sur l'ensemble du match, c'est pas encore ça. Hein. Il va falloir donner plus. Attention, il a du champ devant lui. Modric. Ah non, le ballon est perdu. Ah, l'arbitre qui laisse jouer, avantage pour les Bleus. Griezmann, c'est une balle de but ça. Ah, hors-jeu, 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 signal hors-jeu. Ah, la défense qui a eu chaud. L'entraîneur qui va faire entrer trois joueurs frais, c'est assez rare. La remise directe, c'est bien vu.
Marcelo. Casemiro. Modric. Ah, la bonne qualité de ses passes. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Luka Modric. Oui, il a du soutien, Cristiano Ronaldo. Il l'a peut-être vu. Asensio. Bien repoussé par la défense. Raphaël Varane. On a atteint l'heure de jeu. Luka Modric. Il se dispute ce ballon. Ah, bonne intervention décisive du défenseur sur cette action. Olivier Giroud. Le but à l'attaque avec ce ballon. Cristiano Ronaldo. Mbappé. Modric. Cristiano Ronaldo. Ah, il lui remet. Ouais, ça joue vite et bien. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, la frappe était un petit peu optimiste là, voire naïve. Alors, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Il continue balle au pied, Ronaldo. Ah, il continue, Cristiano Ronaldo. Et personne ne parvient à stopper Cristiano Ronaldo. Attaque les propres, mais ballon toujours en jeu. Allez, il faut centrer. Et on va se donner de l'air avec ce long dégagement. Cristiano Ronaldo, il a mal assuré sa passe. Antoine Griezmann qui continue. Marco Asensio. Voilà, ça joue vers l'avant. Karim Benzema. Ouais, voilà le but. L'équipe qui prend l'avantage. Et c'est vraiment mérité. Bah oui, parce que depuis le coup d'envoi, elle s'est créée plein d'occasions nettes. Ah, belle tête, hein, Pierre. Hein. Superbe, il met exactement le ballon où il a envie de le mettre. Très belle détente en plus. Français en difficulté qui se retrouve mené alors que le jeu reprend. Griezmann. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Benjamin Mendy. Et il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Cristiano Ronaldo. Antoine Griezmann. Paul Pogba. Il s'avance vers la surface. Je pense qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Ah, écoutez ça, Pierre, le score qui n'est pas favorable, mais le public y croit encore. C'est normal, hein, faut y croire jusqu'au bout. Hein. Antoine Griezmann qui frappe. Casemiro. Marco Asensio. Peut-être. Attention, il n'y a plus que le gardien. Non, elle est interceptée cette passe. Thomas Lemar. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ça va chauffer dans la surface. Corner pour les Bleus. Allez, pleine surface. Le corner de Griezmann. Oh, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Kylian Mbappé. Bon, attention, c'est pas fini. Marco Asensio. Marcelo. On a l'impression que le match va se terminer vraiment comme ça, sur ces séquences de possession, sans aucun danger. On aimerait une dernière action quand même.
On jouera 2 minutes de temps additionnel. Cristiano Ronaldo qui poursuit son action. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Ah, c'est une faute, coup franc. Oh que c'est vilain, oh que c'est vilain. Il y a clairement jeu dangereux là. Faut oublier que le fautif est expulsé en plus. Voilà, il a pété un boulon. Ballon magnifiquement capté par le gardien. On va rester là dans ce match. C'est terminé, le coup de sifflet final de l'arbitre. Un début de saison rêvé pour cette équipe. Un premier match et déjà une victoire, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion sur le match de Karim Benzema ? Très bon match pour lui, hein. Il a su inscrire le but décisif et il a même vu un de ses ballons être envoyé par le poteau. Incontestablement l'un des grands artisans de cette victoire. Le schéma tactique de l'équipe. Attention, la frappe de Benzema peut-être. Du Real qui vont devoir se montrer. L'occasion pour prendre les devants. Gareth Bale. C'est... Ah, le bon ballon de Benzema. Attention, attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Carvajal. Ça part au premier. Le dégagement du point du gardien. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques de Cristiano Ronaldo. La dernière qui repousse du point. Ça part bien, action dangereuse. La frappe. Ah, ça joue vers l'avant. Karim Benzema. Attention, il n'y a plus que le gardien. Oh, la bonne inspiration sur cette passe.